welcome to Saint-Tropez. Et bonjour à tous et bienvenue à Tueil, petit village de 1000 habitants situé au cœur des volcans ardéchois. Voici le départ du trail de la Chaussée des Géants au parc du Château de Blou. Au sommaire aujourd'hui du magazine, le parcours commun aux deux parcours jusqu'à la Gravenne, le fameux volcan qui se situe face à nous. Mais cette année, petit détour par le rocher d'Otureir. Allez, rendez-vous au Château de Blou, où après l'arrivée, vous pourrez avoir des bons petits soins dans les salles voûtées du château. Mais avant, petit détour face au podium, où aura lieu également le briefing du départ de la course. Décor magique. Allez, c'est parti pour le départ, les amis. D'abord, une petite traversée du village. Vous aurez droit à quelques pavés, mais surtout de fantastiques façades en pierre. Profitez-en pour vous placer, car vous n'aurez que 1,8 km de goudron. Et c'est ainsi qu'apparaît les fameuses monotraces de la Chaussée des Géants. C'est parti pour l'ascension en direction du rocher d'Otureir. Petit single pavé sous les châtaigniers, histoire de bien s'affûter les mollets. Et une fois arrivé en crête cette année, méfiez-vous, ce n'est pas fini. On traverse la route et direction sur la droite pour grimper jusqu'au rocher d'Otureir. Une piste un petit peu plus large, avec beaucoup de pierres, un petit peu technique. Mais après, vous verrez, vous aurez deux fantastiques paliers pour récupérer au milieu des châtaigniers à l'ombre. Le terrain est assez souple pour les appuis. Une première récup. Allez, un deuxième petit coup de nez avant de sortir du bois via une petite descente pour récupérer. Et ça y est les amis, nous sortons enfin du bois, direction le grand large. Et comme le dit si bien Talucine, un rêve c'est beau, mais le vivre c'est beaucoup mieux. Alors arrivez frais en crête, car vous allez voir, je n'ai qu'une chose à vous dire, il est grand temps les amis d'ouvrir les yeux et de rêver. Nous voici enfin sur le rocher d'Otureir. Après 3,3 km de course et une belle ascension, un décor majestueux où vous pourrez apercevoir le Ventoux, la vallée de Montposa, mais aussi celle de Tueil. Allez, on reprend le parcours direction monotrace dans les genêts, le long des crêtes. Méfiez-vous, car on ne voit pas toujours très bien ses appuis et il y a pas mal de pierres et des rochers comme d'ici à franchir. Une descente un petit peu technique mais vraiment sympa au vu du décor. Un conseil, prenez le temps de savourer, c'est vraiment magnifique. Et une fois rentré dans les châtaigniers, vous allez pouvoir mettre un petit coup de booster. Le chemin est un petit peu plus large, méfiez-vous, s'il y a des feuilles, ça risque de glisser un petit peu, surtout partant de pluie. Après, vous allez voir que le chemin va franchement s'élargir et là, on pourra commencer à pouvoir se doubler et envoyer du lourd. Le terrain est plutôt souple sur cette phase. Et quand vous allez voir apparaître la croix devant vos yeux, là, vous allez pouvoir enfin prier, car chemin très large pour la récup et se doubler. Chemin très très souple pour les appuis, profitez-en. Allez, on est en train de regagner enfin la piste du volcan de la Gravenne. Vous allez juste faire le tour du cratère avant de rejoindre le premier ravitaillement au volcan de la Gravenne qui se situe au 8e kilomètre.